Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien puisque aujourd'hui j'ai été débannée par Movistar Planet. Merci beaucoup. Donc je vais vous montrer en même temps un mail de Movistar Planet qui rappelez-vous, si vous avez vu ma vidéo, j'ai été bloquée pendant 7 jours parce que je rendais les gens inconfortables. Vous voyez le genre de choses que vous recevez quand ils ne savent pas pourquoi vous bannir. Et ce qui s'est passé, c'est que le soir même, franchement, j'étais dépitée, tellement dépitée que je ne voulais même pas les contacter pour connaître la raison, franchement. Mais le lendemain, j'ai envoyé un mail à Movistar Planet en disant comme quoi j'avais été bloquée pendant 7 jours, que je ne comprenais pas pourquoi, et afin de ne pas réitérer la même erreur, donc refaire la même erreur pour me refaire bannir, j'aimerais bien juste savoir ce que j'ai fait pour ne plus le refaire. Un mail, je pense, assez sympathique. Donc voilà, si vous voulez en même temps une petite astuce pour demander à Movistar Planet pourquoi vous vous êtes fait bannir sans leur dire que, en gros, ils ont tort. Faut toujours aller dans le sens du poil, entre guillemets, et demander gentiment. Et puis apparemment, ça paye, puisque Movistar Planet m'a envoyé un mail. Je vais vous le montrer. Bonjour, donc le compte 15L YouTube a été rouvert, je pense petite faute de frappe mais c'est pas bien grave. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée, best regards, support et blablabla en anglais. Donc je suis en train de regarder parce que c'est mes chats including any attachment may contain privilege and confidential information. Any distribution or use of this email by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not intended recipient, please notify the sender immediately and delete all copies. Thank you very much. Moi, je suis en train de regarder, je fais ça parce que j'ai pas le droit de montrer le mail, il y a peut-être marqué un truc comme ça, mais en fait non, il y a marqué juste que le mail n'a pas le droit d'être utilisé par quelqu'un d'autre que la personne qui devait le recevoir, donc c'était bien pour moi, donc il n'y a pas de souci. Mais en gros voilà, il m'a envoyé ce mail là, maintenant je vais vous prouver que j'ai bien été débannie en essayant de me connecter sur mon compte. Hop, ok, on va s'y connecter. Voilà. Donc, comme vous le constatez, j'ai pu me connecter sur mon compte YouTube. Alors, pour tous les rageurs qui m'avaient dit sur ma vidéo, je me suis fait venir, tu pourras pas acheter les rares. Eh ben si. Dans tous les cas, je les aurais achetés avec un autre compte. C'est pas grave. Mais voilà, pour répondre à tous les rageurs, t'es débanni. Ouh, yes, je suis débanni, donc vous voyez, hop. Donc j'ai bien pu me connecter sur le compte, je suis bien débannie et je crois que c'est la première fois que je peux remercier Movistar Planet qui m'ont répondu très rapidement, qu'ils ont réglé le souci très rapidement. Voilà. Bon, je campe quand même sur ma position à dire que les comptes qui sont VIP sont privilégiés aux comptes non VIP pour tout ce qui est débanni, etc., tout ce qui est support. Mais bon, hein, au moins j'ai été débannie, donc je vais pas trop me plaindre dans cette vidéo. Et voilà, c'était juste pour vous dire que voilà, j'ai été débannie. Je vais pouvoir profiter des rares. Merci, bonjour les rageux. D'ailleurs, juste petite info avant de couper la vidéo, pour les personnes qui m'ont signalé pour rien, faites très attention parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai été débannie et que c'est possible également que le support vérifie du coup les signalements et que du coup, les personnes qui ont fait des faux signalements, et ben ils auront le retour du bâton, le bâton, il va vous taper le bâton. Bon, j'arrête mes conneries et je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous et merci d'avoir cru en moi. Gros bisous à vous, ciao ciao.